Je sais pas si je rêve d'être footballeur, je rêvais juste peut-être juste de jouer au foot. D'être footballeur, c'est... je pense que ça vient avec le temps aussi, et avec la façon de voir la vie en se disant que bah, c'est un métier. Mais avant ça, je rêvais juste de jouer au foot. Je pensais que les premières fois où je suis sorti toucher un ballon, c'était pour ça. Ma chambre, quand j'étais petit, c'était la chambre la plus grande des deux, déjà. Et non, voilà, un petit bureau, une petite télé, ma petite console de jeu, et des posters partout, surtout. Et je pense que c'est ça qui a fait que bah, mes parents ont dû retapisser pas mal de fois la chambre, parce qu'il y avait des trous partout tout le temps. C'était à l'école, c'était surtout chez ma grand-mère le mercredi après-midi quand j'y allais, parce que bah, mes parents travaillaient, du coup j'étais gardé par ma grand-mère et il y avait mes cousins aussi, et du coup bah, c'était des grandes simulations de grands matchs à deux dehors dans la cour, avec un qui faisait le gardien, un qui faisait le joueur, les commentateurs, enfin il y avait tout, il y avait les hymnes, il y avait les entrées des joueurs, enfin voilà, c'était tout, les célébrations, enfin il y avait tout, et pourtant on était que deux et un but dans une cour. Tout ce qui traînait et qui était possible d'être cassé était souvent cassé. J'ai tout joué, hein, finale de Coupe du Monde. J'étais déjà en équipe de France, mais pas sous le maillot en tout cas. Comme je suis allé en centre de formation, ça s'est fait très facilement, je dirais, et que voilà, avec les allers-retours tout le temps, les entraînements deux, trois fois par semaine, on s'habitue vite. Et ce qui était avant un entraînement juste chez ma grand-mère une fois par semaine est devenu 2, 3, 4 fois par semaine et à faire avec des matchs le week-end. Donc c'était une belle continuité. C'est le centre de formation qui m'a vraiment permis de comprendre que ce rêve pouvait être réalité. Après, qu'il allait l'être, ça, personne ne le savait, ou en tout cas moi, je ne le savais pas. Mais oui, ça permettait de justement mettre une situation sur des rêves. Ça devient un peu machinal à un moment donné, et voilà, où on doit sauter les étapes les unes après les autres, mais j'ai l'impression qu'on pense plus à l'objectif premier. On se dit à chaque fois, bon, bah, demain il faut que je sois bon, après-demain il faut que je sois bon, demain je vais à l'école, ensuite il faut que je retourne à l'entraînement, et à un moment donné, on voit que le temps passe, et on a peut-être malgré tout oublié cet objectif, ou ce rêve en tout cas qu'on avait en tête. Après, j'ai eu la chance de ne pas être à l'internat, et je pense que si ça m'était arrivé, peut-être que j'aurais évolué autrement aussi. Là, j'ai eu la chance, en tout cas, même si les trajets étaient longs, de rentrer chez moi tous les soirs, donc de me livrer à mes parents tous les soirs, de pouvoir discuter un peu, de dire que voilà, je suis un peu stressé, ou ça va pas, mais de pouvoir le sortir. Moi, j'étais toujours un angoissé de base. Donc ma mère a toujours été là pour n'importe quelle situation, et elle le sentait de toute façon quand ça allait ou ça allait pas. Mes parents m'ont tout apporté. Je pense que ce qu'ils m'ont apporté de mieux, c'est mon éducation. Je pourrais pas être la personne que je suis ici si j'avais pas été éduqué de cette façon. C'est surtout ça, moi, où je me reflète dans le comportement de mes parents, et c'est là où je suis le plus fier. Les coups de fil de « Ah, pas, t'es en retard, je suis encore sur le parking ». Bah forcément, puisqu'il travaillait, mais non, il y avait des bons comme des mauvais aussi. Quand je faisais un mauvais match et qu'il n'était pas content, on ne se parlait pas pendant une demi-heure dans la voiture. Il y a eu des hauts et des bas comme partout, mais il a toujours été là pour moi, en fait. On rêve d'être pro. Après, si ça avait été en National, en Ligue 2, en Ligue 1, l'objectif du footballeur pro, du rêve footballeur, il passe par le contrat pro. Et en fait, on matérialise le rêve par un bout de papier et une signature. Mais forcément, l'objectif, il est d'être pro. Après, peu importe le niveau, parce qu'on se dit, au moins, on est pro. Et on a la chance de faire partie de ce monde-là. Et après, on verra comment on arrive à aborder certains niveaux. Il y a peut-être que j'aurais pas le niveau pour ce niveau-là, peut-être que si. Enfin voilà, faut prendre étape par étape. Mais ça a vraiment été pas évident. Parce que j'ai eu des moments où je voulais arrêter le foot. J'ai eu des moments où je me disais, bon,
c'est pas, j'ai envie de faire du foot, mais plus comme avant, que je prenais plus de plaisir. J'avais plus envie d'y retourner, c'était vraiment devenu une contrainte. Et il y en a d'autres où je me levais 2 heures plus tôt pour aller à l'entraînement parce que j'étais tellement content d'y aller. Enfin, il y a eu des énormes hauts, mais il y a eu des énormes bas aussi. Et ouais, je suis content d'être là parce que c'est ce dont j'ai toujours rêvé, mais je sais ce que j'ai dû affronter aussi parfois, contre moi-même aussi, pour en arriver là. Donc, c'est beau, mais il n'y a pas eu que du beau. Il y a eu, je pense, un début de dépression à certains moments. Il y a eu... Il y a eu des sombres nuits. Voilà, à un moment donné, j'essayais de trouver mon réconfort intérieur dans l'extérieur. Mais ça soigne pas. On essaye, mais ça soigne pas. Et à un moment donné, il faut se recentrer. Et la phase de prise de conscience, elle est super importante et j'ai été content de m'en rendre compte au bon moment parce que j'aurais pu aussi tourner autrement. J'en rêvais peut-être encore un peu, forcément, mais c'était plus un objectif en me disant faudrait que... Non, je prenais jour après jour, année après année, c'était... J'avais retrouvé le plaisir de tout faire. Et à partir de ce moment-là, je prenais chaque jour comme un nouveau jour et je me disais, waouh, c'est incroyable, je vis ma meilleure vie et mes meilleurs moments. Et après, je disais, on verra dans 6 mois, on verra dans 1 an, on verra où je serai, on verra si je dois partir, rester, où est-ce que je vais aller, est-ce que je vais être bon, est-ce que je vais pas être bon. Je suis pas trop du genre rancunier ou de me dire, ah bah vous m'avez pas gardé, du coup regardez ce que vous ratez. Je pense que si j'ai eu des échecs, c'est parce que je les ai mérités aussi. Et que peut-être que j'étais pas prêt à certains moments et que du coup, je pense que tout a bien été calculé, en tout cas pour ma vie à moi, pour que je saute pas d'étapes qui étaient, je pense, super importantes pour ma personne à moi. Et au final, je trouve que ça a été beaucoup d'échecs, mais des échecs qui m'ont permis de me retrouver moi et de prendre confiance aussi, moi qui n'avais jamais confiance en moi. Ouais, c'est pas revanchard, mais je suis fier d'avoir eu des échecs et de quand même être ici. Il faut que je reste comme je suis, c'est-à-dire un enfant qui vit son rêve. Mais après, je suis pas là pour être spectateur non plus et je suis pas là pour juste regarder les autres faire. Donc voilà, il faut que je vive mon quotidien. Je pense comme un rêve éveillé, mais il faut que sur le terrain, je sois très conscient que c'est pas un rêve et qu'il va falloir tout faire pour prouver que c'est ma place. J'ai confiance en mon corps, j'ai confiance en ma tête, j'ai confiance au fait que je pense être devenu une bonne personne et que... Je fais confiance à des bonnes personnes autour de moi, que je suis super bien entouré, donc c'est ça qui me donne confiance. Je me dis, je ne me mets aucun stress autour. Et en fait, c'est ça qui me permet d'être tranquille dans mes objectifs à moi. Et voilà, et après, le reste, je pourrais pas dire que j'ai confiance à 100% en moi, parce qu'il y a peut-être une petite barrière encore au fond de moi, mais que voilà, je vais travailler, parce que je trouve que c'est important aussi. Si je suis là, c'est que je mérite d'être là. Mais j'avais encore un peu de mal à me l'imprégner.